cet atelier qui réunit les personnels des Nations Unies déployés en Afrique centrale, de la CEAC, de la société civile ainsi que les partenaires techniques permettra à ces experts de plancher 3 jours durant sur des questions de climat, de paix et de sécurité. L'atelier de 3 jours qu'accueille Ntoum est une importante plateforme pour exprimer notre volonté commune d'aborder ces questions globales à travers un prisme régional et local. Cette rencontre permettra à n'en point douter aussi et surtout de renforcer vos capacités sur des enjeux majeurs liés au changement climatique et d'engager des discussions utiles sur les solutions durables et adaptées à notre sous-région. Les conséquences du climat sur la paix et la sécurité des populations sont nombreuses et prennent de l'ampleur chaque année. L'illustration des conséquences des changements climatiques éprouvés par ce qui se passe autour du lac Tchad, dont la superficie, comme vous le savez, est passée de 25 000 km² dans les années 60 à 2 500 km² de nos jours. Les conséquences des changements climatiques sur le plan socio-économique et humain sont illustrées, entre autres, par le déplacement des populations. Il y a lieu de comprendre aisément l'interpellation des scientifiques du groupe des experts sur l'évolution du climat en ce qui concerne l'urgence pour la communauté internationale de prendre des mesures urgentes. Les résultats de cette session viendront se joindre à celles actuellement mises en place, telles que la stratégie sur les gestions des risques et des catastrophes. Il faut toutefois noter que les personnes vulnérables, telles que les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les plus exposées aux aléas climatiques et à l'insécurité.